Bonjour à tous les fils d'Odin. Bon, petite review aujourd'hui. Je vous avais dit que je ferais du trade paperback en hardcover des Avengers, Age of Ultron, qui a un peu rien à voir avec le film, il faut avouer. Bel ouvrage d'ailleurs. C'est toujours de la VO, par contre, celui-là. Vraiment bel ouvrage, Michael Bendis, hein, comme d'habitude. Hitch, Peterson, Pacquiao, dessin, c'est... ben, y a rien à dire. Franchement, de toute façon, Bendis. Hein. Voilà, quoi. C'est... Voilà, épique. Super ouvrage, moi j'ai vraiment adoré. Il y a... un bon 350-400 pages. Il y a les suppléments à la fin. Bon, ben, je ne vais pas vous raconter l'histoire comme je fais à chaque fois. J'ai pas besoin. Mais franchement, voilà, ça a vraiment de la gueule. C'est un vrai plaisir à lire. C'est pas très long. Il y a quelques bulles. Hein, mais c'est pas très très long. Red est là, mon gars. General. Voilà, Terre Sauvage, etc., etc. Mais franchement, ça vaut vraiment le coup. C'est un ouvrage que vous ne pouvez pas trouver vraiment pas cher. Je crois même que j'ai lu à 18 ou 19 euros. Donc, c'est vraiment ridicule. Et pour un hardcover, hein, franchement, qui est vraiment joli, n'hésitez pas. Je mettrai un bon 8,5 sur 10. C'est du Bendis. C'est toujours bon. Hein. J'ai rarement vu quelque chose de pourri, qui l'est fait. Vu et lu. Voilà, c'est vraiment, vraiment un truc. Je ne sais pas si Panini nous l'a sorti. C'est une bonne question. Essayez de regarder pour ceux qui ne lisent pas de la VO. Mais franchement, ce run-là, je ne vous en dis pas plus. Avec le reflet de... Je ne sais pas si vous le voyez. Ouais, voilà. De Hawkeye qui est là. C'est vraiment fun. Donc vraiment à lire, je vous conseille vraiment. C'est super. Bon après-midi.